département d'État américain mande ensemble avec tout citoyen États-Unis qui vivent dans le pays d'Haïti pour yo préparer yo pour yo quitter pays si là. Autorité américaine qui prend décision ça, c'est à cause insécurité a multiplié chaque jour plus dans le pays si là. Côté plusieurs kidnapping enregistré dans commune Tabar, zone Vivi Michel pendant dernier moment yo là et la police cap troqué conni ensemble avec bandi yo. Yvna Despay, c'est non madame journaliste Tess Gary qui dénonçait l'entête qui gagne dans dossier animateur vedette émission Grand Lacour sous Radio Le Bon FM dans ville Okaï. Dans sens ça, li mande ministère la justice prend disposition pour traîner tout coupable devant la justice. M'a rappelé ou animateur émission Grand Lacour Tess Gary te disparaître dans date qui était 18 octobre 2022. Dirigeants diverses organisations continuent lever voix pour dénoncer brutalité policier au compte diverses familles qui deviennent réfugiées devant ambassade américaine. C'est qu'à dirigeant OCNH, la Camille Osius, à dirigeant BAI, Maître Mario Joseph et Latrier, qui critiquait l'État haïtien qui pas fait rien pour protéger vie population à défenseur droit Mounio souhaité que disposition qui prend pour assister victimes. Diverses organisations dans la société a participant levé voyo pour protester contre 3 jours grève syndicaliste dans le secteur transport annoncé dans date organisation examen baccalauréat yo dirigeant organisation sa yo qui conscient l'état doit descendre prix gaz la mande syndicaliste fixer grève là pour une autre date pour candidat yo capable aller composer sans qu'elle saute. Ancien député par de paix 49e législative Louis Amiot François mourit dans intervention chirurgicale dans la nuit 26 pour arriver matin 27 juillet 2023 en République dominicaine. Nouvelle salarié toute ville par de paix dans tristesse désolation. Jocelyn Villiers, c'est non nouveau directeur APN qui installé jeudi 27 juillet 2023. Jocelyn Villiers remplacé dans poste ça Ken Lacoste, ministre économie et finance Patrick Boisvert qui fait installation si là, souhaite nouveau DG APN nan bonne chance et puis mandel collaborer à tout employé qui dans boîte là pour que yo capable fonctionner très très bien. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans journal tout haïtien connecté. Foucault Zami Infopa qu'a présenté aux éditions ça. Bonjour, bonsoir tout le monde qui j'ennuie. Encore une autre fois, m'a dit merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer et merci pour fidélité ou ak patience ou. Merci parce qu'on like, merci parce qu'on abonne et merci parce qu'on partage vidéo, ça fait nous plaisir en pile. Encore une autre fois, si vous faites tomber sous channel là, pas hésiter à activer cloche notification pour là pour pas rater aucune vidéo. Zami pa ou Fouko. Mesdames, mademoiselles et messieurs, Yvna Despay, c'est nous madame journaliste Tess Gary, qui dénonce l'entête qui gagne dans le dossier la mort Maril, qui s'est animateur vedette émission Grand Lacour sous Radio Le Bon FM dans ville Okaï. Dans sens ça, l'imande ministère la justice prend disposition pour traîner tout coupable yo devant la justice. N'a pas rappelé animateur émission Grand Lacour Tess Gary te disparaître dans date 18 octobre 2022. Population nan Foko 4e section communale Okaï t'a pral joindre cadavre dans la nuit 24 pour arriver 25 octobre 2022. Commissaire gouvernement Okaïla, Ronald Richemont déjà arrêté des individus dans 4 dossiers si là qui devant cabinet instruction. Eh bien, en écoute Yvna Despay, dans micro correspondant nous, Jean-Vanel Soliman depuis Okaï, qui t'a bail détail. Moi, et pour venir rafraîchir mémoire population, hein, sur la mort Marie Tess Gary, et qui a été assassiné depuis mardi qui était 18 octobre 2023. Donc, dans le moment ça, et m'a profité voyer message bay toute population qui Tess Gary t'a goumé pour yo parce que pas t'a goumé pour propre intérêt pâle t'a goumé pour population sud là pour département sud pour commune Cavaillon chaque commune qui dans département yo. Donc dossier dans cabinet d'instruction jusqu'à cette présente minute on pas rejoindre rien qui ca satisfait famille et dans sens ça. Et n'a touché le ministère de la justice qui a continué à faire travail, nous demandons pour continuer à faire travail et pour permettre que M. Ronald Richemont qui était assassiné Tess Gary et à toute équipe li,
dans le moment ça pour mettre disponible et disposé pour répondre à la question de la justice. Le ministère de la justice doit assumer, m'a touché tout le monde et m'a demandé à la population de continuer à identifier et monde qui t'ai participé dans Zak malhonnête ça qui t'ai assassiné Tess Gary et m'a dit qui t'ai fait 8 et m'a dit fait 9 mois depuis que Tess Gary assassiné jusqu'à présent nous pas pourra jeune résultat et m'a demandé population support yo m'a demandé chaque monde qui a regardé nous là support yo parce que dans jour là n'a pas obligé fouler béton hein n'a pas obligé retourner avec bataille là parce que bataille a fait commencer jusqu'à ce que nous même nous arriver joindre justice pour Tess Gary. Donc, nous demandons support population, nous demandons support chaque monde, nous demandons support chaque militant politique, chaque journaliste, chaque avocat, chaque monde qui est concerné et dans le pays pour permettre que nous jouions justice pour Tess Gary. À la traque pour la vécaïté, papa. Bon, pour quand tu te promesses, commissaire Richemont, tu fais un dossier ça. Bon, oubliez sinon, il te cite comme présumé suspect dans quatre dossiers. Ah, la justice dans le pays d'Haïti. Coordonnateur réseau directeur l'école Akaye à Cabaret, Jean-Franc Succès, conseiller syndicaliste, pour yon fixer grève, yon te annoncé ya, pour yon l'autre date. Messier Succès, qui reconnaît revendication, revendicaliste, légitime, fait qu'on est moment pas favorable pour grève organisée parce que dans date ça, gagne examen baccalauréat, pendant le fait appel à conscience dirigeant, yo, pour yon descendre brigade là. Pascal Fleuristil, depuis arrondissement Akaye, Abdinou plus. Annonce grève générale syndicat secteur transport public lancé pour 31 juillet, 1er août et 2 août cap vini là pour forcer l'État à descendre prix gaz là à 40% sur marché local là. Vini en mauvais moment parce que c'est dans période organisation examen baccalauréat yo. Coordonnateur réseau directeur l'école Akaya Cabaret yo Jean-François Succès mandé syndicaliste yo pour repenser question grève là qui capable gain gros impact sur déroulement et prévu. Mais c'est Succès quoi? C'est même nous même là cap vivre dans pays là parce que c'est petit nous qui pas composé. Responsable association éducative la fait qu'on est petit gauche à bras qui dans l'état ou par l'école dans pays a Jean-François Succès mandé autorité qui dans l'état ou tout prend bon gens disposition pour baisser prix gaz sur marché national là pour faciliter organisation examen. Coordonnateur de acclam mandé syndicaliste choisir une autre forme revendication ou projeter grève là dans une autre période parce que période ça pas bon. Toutefois, li mandé gros autobri ou tout pour prendre conscience des gens état pays a pour voyager garder ça qui pi mal. N'a pas rappelé, selon calendrier ministère éducation nationale et formation professionnelle, examen baccalauréat a commencé lundi 31 juillet pour finir 30 août cap vini an. Depuis arrondissement Akaye, Pascal Fleuristil, TAC 509. Directeur exécutif organisation citoyen pour une nouvelle Haïti, Camille Oxius, dénoncé comportement la police qui t'est chassé à gaz lacrymogène, plusieurs centaines familles qui t'a réfugié au devant ambassade américaine contre violence gang, crasé barrière chef gang vite l'homme a dirigé. Maître Camille Oxius critiquait l'état haïtien qui pas fait rien pour protéger vie population. Défenseur droit moun qui dénonçait incapacité gouvernement, exigeait pour gué disposition qui prend pour assister famille sa yo qui la des bras balancés. Camille Oxius, te parle dans micro TAC 509. Faut qu'on dit ça yo encore, c'est conséquence d'état. Et conséquence mauvaise gouvernance l'état. À noter l'état il gagne obligation pour protéger droit chaque citoyen et travail pour garantir droit chaque citoyen. Le droit au logement, l'état gagne obligation pour le travail pour garantir ça le droit au logement. Maintenant, dans un pays côté l'État pas prend en considération droit au logement, citoyens arrangent yo façon capable yo chercher un côté yo construire un côté pour dormir. L'État dans incapacité, dans faiblesse li côté le pas capable garantir sécurité citoyens, groupe armé a progressé, groupe armé a mettre citoyens dehors. Yo al prend caillou yo fait pour donner à la grippe. Maintenant, qui est-ce monde qui responsable ça passé a? C'est l'État qui responsable. C'est l'État qui pas garanti droit citoyen. C'est l'État qui pas garanti sécurité citoyen. Si gagnent yo démarche, yo plaidoyer, yo action qui vous poser
faut le poser auprès et à l'encontre de l'État haïtien. Et c'est pour ça que nous-mêmes nous voyons. Est-ce que devant l'ambassade là, c'est meilleure direction citoyen qui victime te de prendre, nous pas quoi c'est meilleure direction. Si vous cherchez effectivement la solution appropriée, nous quoi c'est nécessaire pour que y ait des plaidoyers qui fait bon côté monde qui responsable là. Et monde qui responsable dans ça, c'est l'État haïtien. Parce que c'est lui-même qui l'a pour lui capable de travailler pour garantir la sécurité de chaque citoyen. Est-ce que la police est bien agi dans ce sens-là? Non. Nous croyons que la police n'est pas bien agi. Ça a mérité de dénoncer et condamner. Parce que droit nous a déjà violé déjà. Ou pas prendre n'importe qui genre. Oui, nous comprenons que ce n'est pas vraie direction. Ce n'est pas devant l'ambassade d'Abou d'aller parce que l'ambassade dans un pays, c'est terrain prolongé. C'est terrain prolongé l'autre pays. Hein. C'est-à-dire, c'est un espace qui est inviolable. Aussi et seulement si tu as gagné une crise politique. Et côté gain des menaces dans le sens c'est action politique, nous ne devons pas priver l'ambassade là, et s'il faut là, quand même il y a une question asile. Mais dans un cas précis, vrai cible là, c'est le ministère de l'Intérieur. Vrai cible là, c'est la primature. Comme pas bien président, vrai cible là, c'est le premier ministre Ariel Henry pour le faire plaidoyer, exiger, répondre à l'exigence de l'État gagné auprès de la population. Vrai cible là, c'est le ministère de l'Intérieur. Moun yo déjà pran kayo déjà. Nous comprenons que ce n'est pas là où vous devez aller parce que ce n'est pas la vraie destination. Mais qu'on y a, si l'État a déplacé, yo, l'État doit prendre disposition. Et disposition par l'autre, créer des espaces. Le fait que c'est les civils armés qui prennent kayo, gagne de bagaille. C'est ou bien et la police de accompagner moun yo pour faire tourner la kayo, mais des civils armés dehors. Ou bien, comme son l'État a couru pour s'y graver, il a accepté de courir et puis il a créé un endroit pour permettre à parler avec mon dit bon, n'a pas sorti l'ambassade là, parce que l'ambassade là, c'est un espace inviolable, il faut que nous sortions là-dedans, mais qui côté l'État pour parler pour nous. Mais pendant que nous mettez mon dehors comme ça, il y a comme à la belle étoile, ou vous prenez, ou bien au gaz, ou malgré que vous faites aller, là encore, mon saïo, il y a victime deux fois. Comme il va jamais pour bien faire, nous demandons à l'autorité concernée de prendre disposition appropriée pour poser des réponses nécessaires auprès du monde si vous l'avez mis de la gagne. Et pas seulement vous-même, tout le monde qui a vu dans le pays, il faut que l'État prenne responsabilité pour des solutions appropriées. Toujours dans ça qui gagne awe ensemble avec dossier insécurité, bureau avocat international yo BAI qualifié révoltant zak répression la police fait sous diverses familles devant ambassade américaine qui tape sauvé pour yo pas victime en bas zak gang crasé barrière. Homme de loi qui condamné zak si la dénoncé l'État haïtien qui jusqu'à présent pas fait rien pour porter secours bay famille yo. Mario Joseph te parlé dans micro tak 500 et mauvais comportement ou bien comportement de méplaît la police gagne dans les moun a fait manifestation ou bien les moun a fait sitting. M'a dit nous et pas on causé en l'air n'a parlé dans le pacte international sous droit civil et politique il clairement dit moun yo gagne droit les pas d'accord avec comportement et l'État ou bien comportement gouvernement et yo capable de manifester, yo capable de faire sitting, yo capable de chercher tout moyen possible pour yo montrer mécontentement yo. L'État haïtien signé pas là, de ratifier. Ça veut dire tout droit ça yo qui n'en pas là ces droits tout monde gagné bon ici là sous bout de ça. Pour que nous exprimer l'État, yo exprimer l'État, ça yo pas d'accord. Malheureusement, nous avons la police, de tout côté la police répressive, mais nous avons la police qui vraiment pas dans la loi du tout. Si nous sommes pas sur parler là, et yo dit et qui comportement et pas nous même qui a dit la police comportement pour le gagner.
Mais malheureusement, la police poko à la hauteur de tâche-li, ou bien objectif général-li qui c'est protéger et servir. Une fois que moun yo notifié la police gagne obligation pour lui sécuriser et pour que tout le monde doit lui implémenter et au faire sitting, au faire manifestation et libé sous voie publique là. Constitution proclamée et Haïti signée et puis ratifiée, convention ou bien pacte international sous droit civil et politique. Et j'en ai toujours dit li dans BAI, nous avons fait promotion pour droit ça, pour les Haïtiens qui exercent. Nous mettons en place un observatoire légal, alors observatoire légal, pas bande légal, observatoire légal et pour droit et public, pour droit liberté publique. Avocat dans le BAI, c'est observer et puis monitorer et après, moun yo arrêté yo, si ta gen de cas comme ça, assister yo dans le tribunal. La. Et c'est ça, avocat nous a toujours fait. Et c'est ça nous avons fait et dans la date 20 juillet. À la traque, papa. Donc, c'est toute la sainte journée, n'a pas acheté chat pour la police. Mais chat pour la police, on dirait c'est pour sécuriser le carnaval à voler. Mais c'est pas pour ben nous sécurité. Madame, dis oui, monsieur. Bon, t'es quoi la police? T'es fait moun yo lever devant l'ambassade parce que y a une opération qui t'a pral fait. Quand opération à la police, tout c'est fou. Là. Bon, comment t'as donné la police qui est à l'ambassade? Comment t'es qu'à comprendre ça? Pour que ou gon force sécurité dans le pays ou l'irait avec ambassade dans l'autre pays. Bon, on quitte le dossier ça là, peuple haïtien. Qui président Estricti? United for the Restoration of AED Ministries mette campé yon programme qui pote non club santé mentale dans commune Gressier. Pour si la yo qui fait dépression, qui sibi zak violence, ka de jak ensemble avec zak kidnapping. Professeur bien-aimé, pour plus de détails, eh bien, sous initiative ça, en nous tende, responsable là qui c'est Mara Vilme, qui te parle dans le micro, TAC 509. Le programme ça, c'est le club santé mentale. Le club santé mentale est là pour aider des jeunes, des adultes, surtout qui déprimés. Nous connaissons dans le pays, nous avons pile kidnapping qui est fait, dans pile dépression, et nous connaissons tout en pile dans le moment, nous sommes vraiment traumatisés. Ce nouveau programme ça en agressé, c'est juste chaque samedi de 8h à midi. Côté que premièrement, nous avons des psychologues qui sont là, qui sont capables d'aider pour la thérapie. Et deuxièmement, nous avons des gens qui travaillent avec Simon. Et troisièmement, nous mettons ambiance dans le temps. Et non seulement nous venons avec des programmes pour aider avec dépression. Donc nous venons nous faire des exercices ensemble avec eux. Et non seulement tout, nous aider pour que vous apprenez thérapie. Thérapie, on sait que les gens qui font thérapie en groupe, ils allez avec un psychologue Yachita à deux, ils sont capables de parler et le psychologue là lui-même est là pour aider. C'est tout ce que je dis à la coupe de monde démarrer. Mais c'est mon nom de Marie. Je tiens à avoir 19 timons parce que dans Gressier, il y a un paquet de jeunes qui ont qui va avec des timons de la caillou. Et en dedans, nous avons 23 jeunes. Et pour grand monde? Et grand monde, nous avons 6 grand monde so far. Alors, étant donné que l'activité ça est inscrite dans l'idée pour nous capables d'aider des gens qui subissent déjà, qui ont des traumatismes, etc. Est-ce que le monde sait que nous recevons aujourd'hui un ayo qui subit cas que nous sommes soumis là? Ok, en pile cas, gain toute qualité cas là. Tant que je nous dis lui était privé parce que on connaît pas que nous va travailler ici, mais gain toute qualité. Gain mon là qui grand mon yo, c'est attention que yo fait, yo vini pour nous prendre attention yo. Gain là dedans yo tout qui vraiment déprimé, gain jeune tout qui anxiété, gain qui veut tuer tête yo. Gain toute qualité ka là aujourd'hui. Et encore, c'est pas aujourd'hui que nous commençons depuis nous gain un mois, mais aujourd'hui c'est des grandes ouvertures. Comment il dit à ta balle venir? Comment idée ça t'a pas venir? Idée ça t'a pas venir c'est parce que les nous yo te kidnappé yon madame que les Gaël qui dans Radio Caraïbes pendant deux fois.
Gaël allait là aux États-Unis, là pour thérapie. Là nous garder nous été kidnappé Kenton lui que y a prend thérapie dans pays étranger, tandis que masse lui même l'a subi, il pas de thérapie. C'est là que il est venu, comment que nous ta fini avec programme ça pour masse lui même. Parce que si nous va pas pour nous venir dans différents côtés. Programme ça à long terme ou bien à court terme? À long terme, et n'a prendre dans tout pays et nous prendre même côté que nous ta coucher en dans la police parce que nous connaît là encore c'est côté qui est plus dépressé. Alors nous connaît genre de programme ça au bon coût et qui côté nous joindre moyen pour financer nous. OK, c'est non seulement cette diaspora qui on a qui pays étranger qui aide nous et non seulement tout gain des organisations qui mettent ensemble parce que nous seulement nous là parce que pas bien nous bailler place parce que on a de 8h jusqu'à midi faut que nous bailler place et deuxième bagage qui gagne faut nous payer psychologue et ceci encore les venir de ULH organisation. Rappelez-nous non et c'est qui vous qui t'a parlé hein? Non pas moi c'est Marajil mais moi c'est président de ULH et moi tout le monde en premier. Ancien député Port-de-Paix, dans la 49e législature, lui, Amiot François, mourit dans une intervention chirurgicale dans la nuit de 26 pour arriver 27 juillet 2023 en République dominicaine. Nouvelle salague, toute ville Port-de-Paix, dans tristesse et désolation. Jebson Petit, depuis Port-de-Paix, Abdino Place, sous dossier Sila. Bien bonnet, jeudi 27 juillet 2023, ville Port-de-Paix levé en deuil, Léo apprend la mort ancien député circonscription, hein, M. Lutz Amio François, qui te fait partie 49e législature. M. Lutz Amio François, lui-même, qui te passé comme commissaire gouvernement dans l'année 2000, lui-même tout, qui est un avocat influent dans le Port-de-Paix, professeur de carrière, qui déjà formé plusieurs générations, marché post-li et dilaté babaye. Diverses sources qui nous avaient confiance, Stephen Coin, M. Amio mourit pendant l'étape subie une intervention chirurgicale la caille voisin en République dominicaine. Nouvelle Lamosa permet diverses zones dans la cité Cabral Amora en branle. Ancien député a été passé un bon bout de temps, les pas de gars a dit tout. C'est ça qui t'a pas le faire les rentrer la caille voisin pour les capables de jeunes soins nécessaires. Partisans avec sympathisants, familles, amis, famille ancien parlementaire ça souhaité n'amle reposer dans la paix éternelle. Jebson Petit, département Nord-Ouest, ville Port-de-Paix, TAC 509. Merci Jebson, et bien que t'es allégé sous l'estomac ancien chef là. Ministère commerce et industrie lancé jeudi 27 juillet un atelier sous capitalisation dans cadre clôture projet qui porte nom création centre développement entreprise ak entrepreneuriat nan occasion 14e édition activité ministère mette sous pied qui pote nom les jeudis de réflexion du MCI. Pour démarrer activité ça, directeur général ministère commerce ak industrie James Monazar nan intervention le fait konnen l'idée pour mettre un centre développement entreprise ak entrepreneuriat nan ministère vini nan objectif pour faire promotion pour entrepreneuriat, li di ki se facteur développement ak renforcer capacité entrepreneur yo nan ba yo bon jan moyen pour développer business yo. James Monazar te parle nan micro TAC 509 en nous koutel. Éliminer l'itis, j'ai campé la différence nette entre le projet de mise en place de l'existence de ce centre comme entité intrinsèque du ministère. L'idée de doter le MCI d'un centre de développement de l'entreprise et de l'entrepreneuriat fait partie de trois grandes mesures adoptées à la fin des états généraux des investissements organisés par ce ministère du 12 au 14 mars 2012. La vision pour le MCI étant, avec cette structure dans le paysage haïtien, de devenir le prescripteur par excellence en matière de services publics d'appui aux entreprises. Placé sous la supervision de la direction générale, ce centre a pour mission de faire la promotion de l'entrepreneuriat comme facteur de développement tout en renforçant les capacités des entrepreneurs et porteurs de projets par des solutions se rapportant au plan financier et non financier. Pour bien saisir cette dynamique, il convient de voir la structure sous deux angles. Premièrement, le CDEE comme projet. Financé parmi les divers projets d'investissement public depuis 2014, le projet dénommé mise en place du centre de développement de l'entreprise et de l'entrepreneuriat a été alimenté à travers les ressources du trésor public durant de nombreuses années d'exécution.
Il convient toutefois de souligner que ce projet, comme pratiquement l'ensemble des projets d'investissement public du MCI, n'a jamais été réellement alimenté à hauteur des plans d'action soumis aux instances compétentes sur les différents exercices durant ces années d'opérationnalisation. Une situation qui a fortement handicapé sa mise en œuvre. Deuxièmement, le CDE comme unité. Mis à part le volet d'initiative sous financement du PIB, il faut souligner le fait que le CDE a été créé dans l'objectif de perdurer au-delà de la durée de vie du projet. Cette unité a pour objectif principal d'améliorer la contribution des MPME dans la création de richesses et des emplois durables dans le pays. Ces différentes interventions tournent autour du renforcement des capacités des entrepreneurs, la promotion de l'entrepreneuriat et du développement des MPME, le développement des chaînes de valeur dans les filières les plus productives. Outre les actions réalisées avec les fonds de soutien public, le MCI, via ce dispositif, a travaillé avec plusieurs autres partenaires évoluant dans le domaine du renforcement du secteur privé dans la matérialisation d'activités de grande envergure. Dans ce registre, nous pouvons citer une liste non exhaustive d'initiatives supportées par ce centre, comme la mise en œuvre du programme de services d'aide aux entreprises et de formation avec la Banque interaméricaine de développement entre 2013 et 2017. La réalisation d'un show télévisé sur la radio-télé Guinée baptisé Financer Business en partenariat avec l'Observatoire citoyen des actions des pouvoirs publics en Haïti. La réalisation de séances de formation sur le renforcement des compétences des fournisseurs de services aux entreprises par la firme internationale Ferry. Le développement de synergies avec les institutions financières Sofides et Frix KNFP afin de renforcer l'offre de financement au MPME. La réalisation de différentes éditions des journées de l'entrepreneur, dont certaines avec LID, PADF, Pensée, Développement international des Jardins. La conception et programmation des jeudis de réflexion du MCI avec des institutions comme le PNUD, BRH, MPCE, CNMP, pour ne citer que celle-là. Organisation citoyenne pour une nouvelle Haïti. OCNH, dans le cadre de campagne sensibilisation contre corruption, présente un bilan positif sur un jour causerie qui était réalisé dans le département Nord-Est et le département La Tibonite sous thème dédouanement des marchandises frontalières de Wanamete d'Abong. Enjeux et défis liés à la corruption. Activité ça qui t'est déroulée dans présence diverses institutions étatiques, tant coup organisations société civile, représentants syndicats, chauffeurs et autorités locales, visait sensibiliser citoyens pour engager dans bataille contre corruption d'après directeur exécutif OCNH là qui c'est Camille Oxius qui annonce déroulement même activité ça dans divers autres départements tant qu'au Grand Anse et Nord-Ouest. Camille Octavius Abdiplis dans micro tac 509. Pour le département du Nord-Est, nous t'ai non seulement réalisé des émissions mais tout nous t'ai fait une causerie et causerie a dit gagner pour thème dédouanement des marchandises au point frontalier de Wanamete d'Abong, enjeux et défis liés à la corruption. Pour qui ça, c'est un sujet que ça nous a choisi pour le département du Nord-Est, c'est parce que c'est une zone frontalière. Et dans quatre projets, ça, nous avons tête collée avec le commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Nous avons essayé de poser des problèmes au niveau local. Ça veut dire que chaque côté nous fait un constat, nous estimons qu'il y a un problème, eh bien, nous poser des problèmes au niveau local. C'est que les problèmes qui existent dans la zone, et c'est sous ça pour l'activité à faire. Et c'est pour ça le fait que dans le département du Nord-Est, c'est un département qui est limité avec la République dominicaine. Et nous, par sans savoir, en pile marchand toujours à plein, surtout dans la question des douanements, qui gens qui ont pris marchandises, parfois qui gens qui ont fait payer en cob, qui n'ont pas espéré, qui gens qui sont contrebandiers dans les douanements. Et nous avons posé des problèmes au niveau local. Et avec ça, nous avons gagné l'autorité locale qui te répond présent. T'es gagné représentant organisation société civile qui est présent et pour activité
nous avons fait dans le Nord-Est, nous avons gagné 53 participants. Et parmi 53 participants, nous avons gagné 22 femmes, 31 garçons. Et en pile monde, te pose des questions et déjà nous et senti c'est une fierté, c'est avec une satisfaction parce que cause rien pas seulement rester là, mais nous avons continué échanger, garder dans quel niveau et nous capable contribuer dans et dénoncer porter plainte en façon que ce corruption pour capable participer dans et éradiquer et corruption dans le pays d'Haïti. Et pour le département de l'Artibonite, nous encore t'ai organisé plusieurs émissions et nous t'ai organisé une grande causerie qui t'ai gagné pour thème la corruption dans la procédure permettant de retracer un document d'identité dans le département de l'Artibonite, un défi local. Donc là encore, nous t'ai estimé dans le département de l'Artibonite, c'est un département en pile monde gagne un problème document d'identité. Raison simple, département de l'Artibonite, c'est un département qui toujours gagne en pile inondation, c'est un département crise politique yo toujours gagne en pile dégâts qui fait dans yo côté yo même qu'on accouché à des incendies et le ça gagne bureau d'état civil qui qu'on brûlé. Donc, il y a un pile de monde qui a perdu pièce, yo, soit pendant le bureau état civil brûlé, soit pendant l'inondation passée. Et dans ce sens-là, nous avons jugé nécessaire pour que nous réalisions une causerie comme ça, sous procédure qui permette de nous capable de retracer un document d'identité. Toujours dans ça qui est ensemble avec dossier l'argent, ministre économie et finance Patrick Boisvert installé jeudi 27 juillet Jocelyn Villiers comme nouveau directeur APN qui remplace dans poste ça Ken Lacoste. Dans intervention, ministre économie et finance Michel Patrick Boisvert salue passage Ken Lacoste dans tête APN pendant environ une année et demie. Il souhaitait nouveau directeur bon succès et puis collaborer à tout employé pour accomplir tâche pi bien. Michel Patrick Boisvert, en nous écoute. Celui du gouvernement a adressé mes plus sincères félicitations au nouveau directeur général de l'autorité portuaire nationale, M. Jocelyn Villiers, pour son accession à ce poste après 19 ans de bons et loyaux services au sein de l'institution. Je profite de l'occasion pour attirer l'attention du nouveau directeur général sur le rôle actuel que jouent les ports dans le commerce international. En effet, selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, le P7, le transport maritime est essentiel pour l'économie mondiale puisque plus de 80% du commerce mondial de marchandises est réalisé par voie maritime. Toujours selon le P7, dans son rapport de 2021, le transport maritime est classé comme étant le mode de transport le plus rentable. Eu égard au rôle appelé à jouer l'APN comme institution moderne dans le développement du commerce international et se référant aux efforts récents de l'administration générale des douanes pour mieux exercer sa mission de surveillance, je voudrais exhorter la nouvelle administration à agir dans le sens du renforcement de la synergie entre l'APN et l'administration générale des douanes pour lutter contre les trafics d'armes et de munitions en vue de contribuer à un apaisement de la situation sécuritaire du pays. Monsieur le directeur général, le gouvernement vous encourage à prendre toutes les dispositions visant à accélérer le processus de modernisation de l'administration portuaire conformément aux bonnes pratiques internationales. Dans ce contexte, plus généralement, votre performance sera appréciée à la lumière des actions inscrites dans la feuille de route qui vous sera donnée et de manière spécifique à partir d'indicateurs précis et mesurables en particulier. L'augmentation du taux de paiement numérique et la réduction drastique de la circulation de cash au sein de l'APN. Le rapatriement de tous les comptes de l'institution selon le vœu de la loi. L'instauration de meilleurs contrôles dans la gestion de l'effectif et conséquemment de la feuille de paie de l'institution. La publication périodique des rapports financiers audités de l'institution. N'a pas retourné dans la commune Okaï, mesdames, mademoiselles et messieurs, commissaire Richemont n'a problème. Blanc américain Robert mandé pour gouvernement dédommager 40 000 dollars
parce que Ronald Richmond t'est arrêté illégal en outade moucher les blancs. It's not what your country can do for you. Allez là, c'est campagne s'il vous plaît. Mais bon leadership, Théo va mille fois. Et pas monsieur ça qui dès qu'on a le fait grève de faim devant comment Kay Biden n'a rien encore Maison Blanche, non, à Washington. Oui, à Washington, des mêmes côtés. Oui. La paye de misère pour le passé, papa. Attends, qui doit un haïtien aux États-Unis pour ta parler de président les États-Unis? Mais nous tellement pas faire respect, nous. Tout vieux blanc, hein? Tout vieux blanc senti ravette. Tout vieux blanc senti ravette qui saute côté au sorti. Gardez-nous, le pays, le peuple haïtien. Mais c'est quoi l'histoire? On a les mouches et les blancs, ça passe même. It's what you can do for your country. C'est pas ça, pays a qu'à faire pour vous. C'est qui ça ou même pour qu'à faire pour pays ou. Amen, alléluia, on continue. I have one question for everyone. Un ou une question pour tout le monde en allée. Ariel Harry. Ariel Harry. Moi j'ai une seule question. Translator ou bien interprète? Ande à salier, s'il vous plaît. En aller. Tout le monde. Hein? Premier ministre Ariel Henry. Richmond. Richmond. Faut pas ici interpréter. Faut pas ici interprète. Hein? Richmond en anglais. Et pas Richmond en français. Faut pas ici. Richement interprète. Hey, si m'en dit richement en anglais, frère et sœur, et m'y faut mettre richement en français pour nous, pas qu'à pousser nous en anglais tout. Après, se traduit Ariel Henry en français, en créole, je ne sais pas. En avance. How come you guys are afraid to mention bon leadership, Theova Milford? President. This is your president. Oh my goodness. Ça c'est président pourri, imbé. Ça toute la journée n'a dit blab choisi, pas mon blanc vient avec un président pour nous. Wow. Ça c'est président. Théo va mille fois. On avance. I went to prison. Why are you guys afraid? Hey, garçon, faut pas ici, hein. S'ouvre pas l'anglais, on met pas l'anglais. Pas l'anglais. Hey, où vient la boutre du pour nous? Et puis, mes cougnas anglais, on va parler même jablan. nous, qu'on parle l'anglais. Parce que si que ou qu'a traduit, c'est que ou parlez. N'est-ce pas? Ou pas même j'avais un baborisite. Mes cougnas la nègre. Faut pas ici. Pour traduire pour nous en créole et puis qu'on leur tombe par l'anglais tout. Qui est-ce qui a traduit pour nous? To talk about Theo. To talk about, est-ce que c'est créole ou français? Faut pas ici pas. Ou bourrer crâne moi là, pas vrai? Ou troubler moi. Mais c'est quoi l'histoire? Est-ce qu'on va lier contre corruption arrivé peuple haïtien? Pour monsieur a traduit pour nous et puis il sous parle l'anglais tout. Theova Milford, the candidate for presidency. Hey! Why? Pour candidat pour la présidence. Ça veut dire c'est bloc pour frapper au boudou, sanglet ou à parler. Oui, mon Dieu, papa, et pitié de nous de ta bonté. À la côté de ce peuple qui a fait théâtre, messieurs. Transition President. Richmond, you are in violation of a stolen American passport. You're trying to make my life miserable? Commissaire
Richemont, vous possédez un passeport côté qui vous pointe dans mauvaises conditions. Vous avez empêché de vivre. Passeport identifié. Vous avez aidé. Vous commencez à être courageux. Ou quoi blanc dit tout bagay ça? Hein, frère, c'est ça. Nous quoi blanc dit tout bagay ça, mais c'est ce qu'on dit là. Hey, on a allé bon. Et vous avez interprété pour nous mettre sauvé. Mettre sauvé, nègre, on avance. So I'd appreciate my passport back. Dans apprécié pour mettre mon passeport, s'il vous plaît. You want me to leave? Il pas dit s'il vous plaît. Il pas dit s'il vous plaît, nous pas qu'à mettre s'il vous plaît dans la traduction. Faut pas ici avec nous. Nous pas parler anglais, mais nous comprenons. Haiti, your government needs to buy my plane ticket. Vous pouvez me quitter Haïti, gouvernement haïtien non, que vous payez ticket avion. That's how you deport people. C'est comme ça vous déportez au monde. Ah, ça veut dire la riche monte déporte. Oui, un riche monte de porte blanc. Et puis blanc en Haïti a bay conférence pour la presse. Un riche monte rassé, monsieur. Non, riche monte a trip sous nous. Non, riche monte a trip sous nous, papa ici. Riche monte a trip sous nous, commissaire. Quand peut souffrir fou la, un te de porte blanc. Et puis blanc là, il pas payé ticket, il pas fanyé. Mettez-le dans l'avion. Hein? Oh, et là, allez. Et pas comme ça, on déporte moun. So Richemont, it's time to put your big boy pants on. Quand y a Richemont, faut vous commencer à mettre garçon sous. Ça I want to know who give the order to have me arrested. Vous êtes qui moun qui te passe l'ordre pour arrêter. It's funny how no one in the Haitian government can touch Izzo, but you can play with me. C'est un blague côté que pas grand moun le gouvernement. L'État haïtien qui a touché Izzo avec l'autre gros bandit, mais moi-même, un simple citoyen, ou qu'à mettre même sous moi à l'aise. Ou à blaguer, ou à blaguer. Voilà, ou retourner sous tes garçons, on avance. So Izzo, pack your suitcase, Sherry, and come to Okai. Me and you gonna square dance at Fête Jilly. Izzo, dans mes côtés qui apparaît dans le sud là, au Caï, au Gavin fêter, danser, dans fête gelée. Why? Why? Comment me l'a invité Izzo pour venir danser dans fête gelée? Mais pourquoi? And Ariel Harry, I have your replacement. Theova Milford is your replacement. So pack your. Theova Milford, c'est remplacement. Ariel Henry. Bien traduit, papa, ici. Elle est comme c'est bon. Ah bon? Things and I'm back. President, premier ministre. Il ne faut pas ici, nègre. Why, president? Why, president? Why président? Non, président. Wa bouleversé dans la traduction. Faut pas ici avec moi. Hein? Ah, OK. Théova Milford, c'est remplacement Ariel Henry Le Pen. Immédiatement Théova fin remplacer Ariel la come back dans pays ya. Come back in the country. You understand? Yes. Ariel Henry. Moi gè un monde capable de replacer. Noni, ou gawe là, c'est Théova Milford. C'est lui-même qui est président Haïti après. Ça. On dirait haïtien puis américain qui est blanc. Moi, langue mission Tijan loup pour créole là. Mais c'est quoi l'histoire? Je dis que ramasser tout ça en procédé, valise ou. Et puis, à faire ou tout. All journalists. I want you to contact him. Let him speak. He's willing to speak.
but you guys don't want to talk about it. Why is it you don't want to talk about it? You know? Tout journaliste, s'il vous plaît, ne t'en a mis côté que ou bail, candidat, Théoba, mille fois, on change pour parler, pour l'adresser la nation, pour expliquer pourquoi laisser un candidat, il y a carrément voté pour arriver, guider la nation. We have a dream for Haiti. Nous avons un rêve pour Haïti. Non, nous toujours un rêve, pas nous. Même nous sachons qu'on fait rêve. L'autre pays yo ka gè rêve, mais nous même nous pas fait rêve, OK? Nous ka gè rêve pour Haïti là. Est-ce qu'on lié côté corruption arrivé messi? Qui rêve y est là? Bon leadership. Good leadership. We lead by action. Faut pas ici, hein? Kounya blanc fin parle anglais ou parle anglais. Ou parle anglais fait deux, bon ça nous comprenne. Interprète là faut pas ici. Et puis gars c'est sous twist le dit. Mais gars c'est sous twist le dit et puis kounya là-bas là pour qu'on fin paraît et puis il tout pousser nous en anglais encore. Faut pas ici avec nous. Not all that pak 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 pak. Oh. Tu as canal le blanc. Pak 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 pak. How does that mean? Pop, 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 pop. How do you say kana en anglais? Kounya la, m'bral wè kon m'bral tradwi. Pop, 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 pop. Vous tradwi? Like Richmond and Ariel Harry, you all are pop, 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 pop. Ok, you all are pop, 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 ok. M'bral tradwi, pas vrai garçon. Faut dire nous, ça, ça veut dire en créole. Pop, 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 pop. Let's arrest an American. Nous sommes un groupe de monde, un candidat qui prêt pour travailler honnêtement. Et toute blague finie, on nous vient avec une situation côté que nous avons une solution. Ok, Dandy, la nation besoin un président qui est fidèle. Ou quoi c'est ça, Blanc de dit? A raison mettre les lunettes. Hey! Why? Monsieur pas traduit pop 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 pop. I love my country. Fini traduction. This group of people that are beside me right now. Ah pas monsieur pas traduit bail là pour nous peuple haïtien. Hein? Is the new movement for change. Moun ki sita bon kote m la, jodi a, ou ka wè yo, yo se yon groupe de moun ki la ki pwè pou bay tout sa ou kapab comme leader pou aide Haïti fè un changement. Mm-hmm. What do you Haitians have to lose? What do you have to lose to give this guy a chance? I went to prison for this guy. Almost deported for this guy. So what's that tell you? Why are they scared of it? Qui ça nous même haïtien qui fier de pays nous gien pour perdre? Qui ça nous peur pour ca bail Théova mille fois une chance pour ca parler pour tander pour voter pour lui-même les ca guider nous pour faire un changement pour la nation. Et changer. On regarde c'est monsieur ça que les messieurs changement. Alors traka pour la avec Haïti monsieur. Do you think that is good for Wakale movement to continue to do the action? For me, for the movement, this is what I want right now. And Bill News, shock you every day. I want to be on the news. I want tout moun. Force pep. I need force pep. I need force pep. Force pep. Yes, yes. You understand? Hein? You understand? People. Donc, blanc vle force pep. Force pep. C'est ça. I need the power of the people.
Yeah. The power of the people. Yes, oui. Peuple a gen pouvoir. You understand? Peuple a gen pouvoir. Alléluia, gen bon Dieu. En tout cas, frères et sœurs bien-aimés, c'est seul dans le pays d'Haïti où on a joint un genre de si conversation ça yo ensemble avec les étrangers. Ou pas besoin d'un autre pays encore. Nouveau directeur APN qui c'est Jocelyn Villers remercie autorité dans gouvernement pour confiance yo placé dans lui pour le gérer pour ça. Ce qu'on est, hein. Li mande tout cadre dans boîte l'état yo pour collaborer avec lui dans avancement institution. Entendez le dans micro tac 509. C'est avec un esprit d'humilité que je vous salue en ce moment qui s'est la fin du règne de l'arrogance et de l'arbitraire dans le secteur portuaire. Qu'il me soit permis, Monsieur le ministre des Finances, avant toute chose, d'adresser mes sincères remerciements au Premier ministre, Dr. Ariel Henry, de la confiance placée en mes capacités en m'élevant au rang de directeur général dans ce contexte particulier. Je mesure avec sérénité l'ampleur de cette responsabilité et je m'engage en tant que capitaine, à travailler en synergie, comme l'a si bien dit Monsieur le ministre, avec chacun des membres de l'équipage, pour qu'Haïti puisse enfin tirer le maximum de bénéfices possibles de son secteur maritime. Je suis fermement convaincu qu'il est crucial aujourd'hui de recadrer la mission de l'autorité portuaire nationale et aussi développer une collaboration parfaite avec tous nos partenaires, tant du secteur public que du secteur privé. Pour l'atteinte de cet objectif. Nous devons donc porter un intérêt particulier au renforcement des infrastructures portuaires, car la compétitivité aujourd'hui, surtout à long terme, implique l'amélioration et l'efficacité des opérations et l'optimisation et l'utilisation des espaces disponibles, et aussi de la modernisation de nos engins de manutention. Il nous faut pour cela développer, Monsieur le ministre, une culture d'excellence. Axé sur le développement des compétences, axé sur la spécialisation et surtout l'inclusion. Le secteur portuaire devra, dans un bref délai, être doté de plans de développement, de codes portuaires, de procédures d'opération et de vraies structures de contrôle et de supervision. L'APN, Monsieur le ministre, dans ses fonctions de police portuaire et d'autorité désignée, dans le cadre de l'application du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, le Code ASIS, doit travailler de pair avec d'autres institutions impliquées dans la sécurité du pays pour le maintien en permanence de niveaux de sûreté et de sécurité appropriés dans les plans d'eau et dans les terre-pleins. Dans toutes nos installations portuaires, et je répète, dans toutes nos installations portuaires, que l'installation soit publique ou privée, elle doit aussi surveiller d'autres dimensions des opérations nécessaires à la sécurité du pays qui ne sont pas aujourd'hui contrôlées. Chers collaborateurs, chères collaboratrices, les défis sont énormes, mais je compte sur le soutien de la collaboration de chacun de chacun. Directeur départemental éducation et formation professionnelle dans la Tibonite, Aurélien Fritzner, fait qu'on est. Gagné 2117 postulants qui inscrit comme surveillant, superviseur responsable centre à correcteur pour examen officiel baccalauréat. C'est 11688 candidats qui ont participé dans examen bac unique, 906 candidats pour examen NS4 ensemble avec 256 candidats philo traditionnels d'après DG Aurélien Fritzner, qui était dans le micro Mackenzie lui depuis Gonaï. Nous avons un effectif de 11688 candidats qui vont participer dans le bac unique. Et nous avons 60 centres d'examen pour tout département pour le bac unique. Pour le bac permanent NS4, bac permanent NS4 là, nous avons un effectif de 906 candidats à l'ESA et nous avons 9 centres pour eux. Pour permanent traditionnel, ça nous a donné les filois, et bien nous avons un effectif de 256 candidats et nous avons 7 centres d'examen. Je vous rappelle, même gens. Nous n'avons pas de cas spéciaux dans la 9e année fondamentale à l'ESA. C'est même genre tout, nous n'avons pas de cas spéciaux.
spéciaux dans LS4, que ce soit dans LS4 ou bien bac unique, bac permanent LS4, bac permanent traditionnel, nous pouvons gagner ça au lit, cas spéciaux. Parce que nous estimons que cas spéciaux ont des problèmes, il y a une pile irrégularité dans eux. Direction départementale là va marcher dans la logique ça. Parce que tout directeur à l'école, tu as suffisamment de temps depuis janvier dans le travail du processus là. Merci Mackenzie. Délégué départemental Nord-Est, là, ingénieur Moïse Charles-Pierre, organisé jeudi 27 juillet à premier conseil technique li, ak représentant diverses institutions étatiques dans le département. Dans l'idée pour fournir, j'ai gardé sous fonctionnement administration politique là. Dans déclaration fait dans Mikotak 509, délégué Charles-Pierre fait qu'on est mission conseil technique là, c'est prendre connaissance sous fonctionnement administration publique dans le département. Pendant le renouveler engagement, pour le travail pour effet central technique Chivri a fonctionné pendant fait 3 namètre qui campait depuis plusieurs mois. Ingénieur Moïse Charles Pierre qui était dans micro Chenorosni depuis département Nord-Est. Aujourd'hui, nous réaliser premier conseil technique et au niveau institution départementale autour gagner des tables qui commencer organiser. Et nous gagnons tout et table au niveau arrondissement autour et nous pas programmer. Quand nous gagnons 4 arrondissements, nous gagnons 4 tables pour nous être capables et organiser. Et gagner l'autre institution étatique autour au niveau département qui au même tour a organisé pour table la caillou. Et table ça yo par exemple conseil technique là c'est les mêmes pas qu'un ONG là-dedans et que nous réunis avec eux pour nous connaître comment l'administration a marché, qui problème ils ont gagné, qui avance pour gagner, qui partenaire ont gagné qui a travaillé ensemble avec eux et qui est c'est l'autre ONG qui a travaillé ensemble avec eux et puis nous garder ensemble pour si on a un problème comment l'autre la ca aider lui et ça va permettre que nous arriver à faire un peu de bagaille avec l'institution l'État. Et ça conseil technique ça a servi le département de ça. Et conseil technique ça lui-même et lui a servi un peu de bagaille, c'est-à-dire délégué en même temps avec Mounsayo, si que institution a pas bien marché, si qu'il y a un problème et qu'a privé comprendre et yo capoter des doléances. Et là, ça, nous capables de chuter ensemble pour nous voir comment on a résolu le problème. Et ça a permis tout que les délégués à lui-même soient au courant de tout ce qui a passé dans le bureau de l'État. Est-ce que toute institution étatique au niveau du département de la santé présent, dis-nous qui ça fait comme remarque et par rapport au département dans sa avec fonctionnement institutionnel? Et tout bon, dénominateur commun, c'est toutes les institutions qui ont le même problème. Il y en a qui ont un problème loyer, il y en a qui ont un problème employé, il y en a qui sont touchés ou pas touchés. C'est-à-dire, un pile problème. C'est que nous-mêmes, nous avons des problèmes. Et puis, quand nous avons l'adresse, rapport à cabinet ministre. En parlant des problèmes loyer, déjà, nous avons pu au niveau de l'État, il y a des dispositions qui prennent pour fermer des institutions. Qui a fonctionné au niveau des parents dans le sens qu'on va prendre au Fatma et là qu'on connaît un complexe administratif et qui là qui était conçu capable aussi une institution publique qui démarche même comme délégué départemental ou pas le faire pour que l'institution soit capable de boutir dans le département. Bon, de concert avec le directeur planification, hein, nous déjà avancé sur ce problème ça parce que il y a l'habit qui est capable de financer et qui est capable de financer finition et pour nous capable faire dans le complexe là. Donc ouais, dans sens ça gagner des avancées et qui fait déjà pour finaliser et complexe là et pour institution ça eux-mêmes sont capables de placer en dans le complexe là. Département de Slan et grand ensemble de problèmes même monde qui avait capable dans le domaine de facilité avec Sinta commune Fort Liberté commune Félix avec Panamet qui plonge dans blackout et total et dans le cadre conseil technique ça qui s'est sorti
non seulement sur question pour l'infrastructure routière, mais question électricité dans le département, nous connaissons beaucoup sur la question sécurité, nous vivons pour nos Tesla. Ah oui, depuis que moi-même monté, nous focus sur le problème électricité. Merci Chenot, mesdames, mademoiselles et messieurs, pour cette information, nous avons fait place ensemble avec Sever. Bonjour Foucault, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci, nous avons continué avec information, nos amis internautes. Dans le cadre d'un arrêté qui prend un conseil des ministres, Gen Jocelyn Villiers qui nommé directeur général AI Autorité Portière Nationale. Li remplacé nan pour ça Ken Lacoste, li a été nommé en janvier 2022 na tête APN. Même j'avais que Ken Lacoste remplaçant li Jocelyn Villiers c'est un cadre institution. Bon côté Paul Grégaire Jean-Louis nommé directeur général AI Fonds d'entretien routier, li remplacé nan pour ça ingénieur François Marie Georges. Gen chef gang Bizoton 55, la police a posé la patte sous lui dans l'aéroport international Toussaint Louverture là pendant qu'il t'a préparé là pour prendre route États-Unis takou youn bénéficiaire programme humanitaire parole là président américain Joe Biden initié McKinley innocent la police a tap cherché pour implication présumée dans assassinat policier Franzi Oxil 31 mai 2023 ak employé Pedro Mondelius nan OAVCT 12 juillet 2023 nan Tor 12 commune Kafou d'après la police nan note de presse. Pour Kounia, Kaïd Bizoton 55 l'a placé en garde à vue en attente de suite judiciaire nécessaire. Qu'un agent force l'audio qui sous deux pieds militaires entre sud et capitale là hier jeudi après-midi, selon divers citoyens à niveau portail et organes policiers qui gagne machine blindée progresser jusqu'à niveau zone 5e avenue Bolos, pas trop loin place Matissan 1 côté échange coup de balle qui est enregistré. Entre blindé ak nèg exam qui posté dans zone ça donc gagnon individu armé qui t'a circulé sur une motocyclette qui boit glo bouche li nan angle rue Monseigneur Guillou ak Ruel Alette nous ignorer bilan intervention la police nan Matissan pendant tout weekend nan toute journée n'am gen pour venir avec plus détails sur ça amis internautes. Gen secrétaire adjoint affaires hémisphère occidental États-Unis Brian Nichols qui estime solution qui plus rapide pour capable soutenir pays d'Haïti c'est déploiement yon force multinationale en d'un pays. Brian Nichols estime renouvellement mandat bureau intégré Nations Unies pour Haïti ak yon délai qui accordé par secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres pour soumettre yon rapport sur action possible pour mettre en œuvre dans l'idée pour pacifier pays constituer un principal progrès qui réalisé dans amélioration situation sécuritaire dans pays d'Haïti. Date limite pour que Nations Unies soumette recommandation c'est 15 d'août Kavina d'après ça Brian Nichols rappelé by sénateur qui composé sous comité hémisphère occidental là qui était rencontré hier jeudi dans pays États-Unis dans cadre d'une audience sénateur Bon Menendez a été convoqué. Li rappelé tout pays tankou la Chine ak la Russie qui pas toujours d'accord sur question ça té voté résolution qui té fait l'unanimité sous secrétaire d'état souligné approche date limite Washington nan té en discussion avec contributeurs potentiels yo ak yon force multinationale pour té faire connait solution mise en œuvre qui plus rapide pour soutenir police nationale d'Haïti nan mission spécifique contre gang yo qui affecté peuple haïtien. Brian Nichols affirmé malgré difficulté gagnon évolution positive nan perception formation yon force multinationale en Haïti. Li fait connait gen quelques pays qui nan premier temps té réticent qui exprimé kounya la soutien yo bay nan initiative ça. Li admet yon nan principal obstacle déploiement yon force multinationale en Haïti c'est un tout jeune pays pour capable diriger la communauté internationale là doit assurer que toute intervention doit chita et puis bay garantie que y a fourni yo pa permettre pour que Ariel Henry rete sous pouvoir mais plutôt pour capable permettre avec PNH là résoudre problème de sécurité. Cependant, Brian Nichols affirmé en même temps l'autre solution envisagée est capable inclure tout dans cadre démarche qui a prend tant coup une opération maintien de la paix
à l'avenir. Li uge, d'après Brian Nichols, pour que force souterrain capable soutenir PNH dans mission qui cible spécifiquement gang qui affecté peuple haïtien. Nous saquons avec la formation agent PNH, les faire qu'on est bureau affaires internationales, département d'État américain, à travail bon côté police nationale d'Haïti pour fournir une formation ak yon soutien. Et force d'après les mêmes gain là-dedans, recrutement ak formation nouveau agent et puis renforcement unité spécialisée dans lutte cap menée contre gang ak criminalité transnationale. Gen secrétaire général Union Parents Élèves Progressistes Haïti qui estime légitime revendication syndicat transport public qui réclame yon baisse 40% prix produit pétrolier yo. Cependant, Léon Litolu pense période qui choisit li pas bienvenu. Syndicaliste a lancé appel bay dirigeant secteur transport pour renvoyer mouvement grève là. C'est une décision qui irréfléchie pour secteur transport public là parce que li transversal rentrer en grève dans date examen officiel yo li pas nan intérêt parent ak élève yo d'après Léon Litolu. Secrétaire général UPEPLAN reconnaît toutefois revendication dirigeant syndicat transport public yo juste. Pour sacrifice qui fait bon côté parent yo pendant année académique là qui était très difficile, Léon Litolu mandé avec syndicat transport en commun yo pour repousser droit yo choisi pour capable observer et grève dans secteur. En bay chance avec parent et puis élève yo qui était dans une année difficile, en pile épreuve, climat insécurité, gang armé à travers plusieurs côtés en dans la zone métropolitaine Port-au-Prince là ak dans département la Tibonite. Li mande ak responsable organisation syndicat transport public yo pour repenser sous initiative si là. Toujours sous même dossier ça puisque office protection citoyen li même tout li réagi dans une lettre li adressé by syndicaliste changer meu qui se responsable association propriétaire ak chauffeur d'Haïti yo protecteur citoyen maître nan Edouville mandé nan tête collé avec camarade syndicaliste yo pour envisager renvoyer date grève là la l'idée pour permettre avec ti moun ki pral nan examen officiel yo capable participer sans qu'elle saute. Protecteur citoyen dit reconnaître et puis respecter droit grève syndicaliste yo en vertu convention numéro 87 organisation internationale travail et puis il affirme que le pas vle rentrer dans action secteur syndical. Toutefois, dans non respect droit pour tout monde joindre éducation, nous lancer appel pour promouvoir et puis pour nous garantir ça. Docteur Renan Edouville mandé avec syndicaliste yo de conseil avec l'autre association impliquée dans l'initiative ça pour envisager renvoyer date grève là pour faciliter déroulement examen officiel yo. Li lancer, li rappeler année ça c'est une année apprentissage qui était très difficile pour élèves qui t'ap évolué dans un climat insécurité généralisé. Au moins 111 498 candidats t'as supposé à le composer dans cet examen yo sorti lundi 31 juillet pour arriver jeudi 3 d'août sur ensemble territoire national là. L'autre dossier dans le journal la zami internaute, gen policier yo qui entend manifester devant local ONA. Si ça capable en terme d'information d'après coordonnateur syndicat national policier haïtien Lionel Lazare. Ça gen 8 mois, gen policier qui te gagné yon prêt nan ONA. Jusqu'à journée jodi an, pa gen aucun montant nan prêt sa ki décaissé alors que yo ap remboursé prêt sa sous prélèvement y a prêt sous salaire yo d'après Lionel Lazare. Syndicaliste la bay semaine k'ap vini la ak directrice actuelle ONA pour répondre à revendication policier sinon il y a pas très dans monde. N'après tourner avec office de protection citoyen mais froid ça c'est sous l'autre dossier il était réagi par rapport avec policier yo qui était bombardé ensemble de citoyens qui était quitté caillou à cause phénomène insécurité qui t'a prend refuge devant ambassade américaine. OPC réagit sous ça même avec divers autres acteurs, divers autres associations bien institutions. Office protection citoyen dit le constater droit moun nettement régressé en Haïti depuis gang yo a commencé semer la pérès dans mitan population. Dans note de presse, OPC condamné faible opposition autorité au déployé face contre paisible citoyen. Selon OPC, guerre gang yo menace stabilité, la paix, sécurité, développement dans pays.
Protecteur citoyen, Dr. Renan Edouville, te profite pour condamner agissement force l'ordre contre réfugiés devant l'ambassade américaine dans Tabar sans essayer d'entamer yon dialogue ou bien yon médiation avant yon déloger famille qui tap kouy quitter kayo à cause action bandi yo. OPC mande nan sens a ak autorité yo pour agir nan yon bref délai nan l'idée pour mettre fin ak violence et puis favoriser libre circulation citoyen pendant la éviter répétition yon tel événement devant local lot ambassade ak institution publique et puis privée. Nan yon avis ki publié par autorité américaine, yon département d'État mande ak citoyen américain yo ki an Haïti pou kouri kite Haïti pi rapide possible nan lide pou yo pa victime zak bandi yo. Situation li chaotique en Haïti. Dernier assaut nèg exam yo perpétré li vin lage l'huile sou di fè ya. Kidnapping ki enregistré nan commune Tabac à Vivi Mitchell en plus affrontement entre agents institution policière ak membre gang armé nan payan c'est quelque fait qui incite autorité américaine yo pour prendre décision ça nan l'idée pour yo protéger ressortissant yo. Bande criminel vite l'homme innocent forcé plusieurs dizaines de familles réfugiées yo devant local ambassade américaine qui par la suite après chassé avec un court gaz lacrymogène par force l'ordre. N'a toujours été sous même dossier ça yo dans un communiqué qui porte date jeudi 27 juillet 2023. Fondation J'éclairé dit le choqué, elle constaté usage abusif force l'ordre fait contre déplacé interne dans commune Tabar qui obligé abandonner caillou pour sauver poyo à cause nèg exam a attaqué spécialement gang crasé barrière qui gagne en tête vite l'homme innocent qui défiait force l'audio depuis presque 2 années. Même j'ai pour dire avec la police agit en mode dans pourri gain force sous ban ennemi d'après FJKL qui rappelait démonstration force police nationale d'Haïti en contre Timounio à femme enceinte à l'autre monde qui sa défense li gain un sens comme s'il a dirigé contre chef gang dans l'idée pour capable garantir sécurité population. Pour FJKL, seul bagay qui capable expliquer réveil sous des gouvernements PNH là, c'est le fait que citoyens qui pour chasser pas gang crasé bagay yo té réfugié devant ambassade américaine puisque pas de aucune intervention qui était faite pour capable aider déplacer Etienne Matissan, Belle Cité Soleil, La Plaine à Clancou et puis Lester qui était connaît même situation. FJKL souligné l'état haïtien pas de aucune politique de protection population face avec un déchaînement gang armé yo qui pillé, violé, kidnappé, touillé, massacré en toute impunité. Fondation J'éclairé, selon engagement international Haïti te pran et l'État doué en tout temps respecter dignité à tout être humain, quel que soit niveau social. Face à la démonstration force qui mal orientée, FJKL lance appel by autorité pour prendre sanction contre policiers fautifs qui utilisent gaz lacrymogène pour capable disperser moun ki te vin pran refuge devant ambassade la. Et il mande avec pouvoir rien pour assumer responsabilité vis-à-vis population dans affaires sécurité ak sûreté publique. Gen chimé délivrance Haïti qui critique comportement pouvoir qui voyait la police al dégapi citoyen qui tap koui pour gang tal couché devant ambassade américaine. C'est l'escargé Elise quoi était normal pour population chercher abri pour protéger tête yo. Organisation Douamoun force vive société en doit porter plainte contre au commandement PNH là d'après dirigeant politique qui mandé agent policier suspend appliquer l'ordre qui illégal en côté c'est l'escargé Elise. Ensemble comportement ça yo mené pays a non débandade totale qui vient faire que population a pas connait qui sain pour reler côté que chaque fois yo parler des questions élection yo parler des nécessités pour faire élection pour remettre pouvoir nous voit que et question kidnapping assassinat criminalité remonter en force donc nous même dans chemin de délivrance nous te dénoncer comportement ça parce que nous te dit que ça c'est un épée d'amoclès qui sous tête nous le des monde qui c'est eux-mêmes qui là pour organiser l'élection et c'est eux-mêmes encore pour mettre sécurité. Ils ont pas jamais rêvé faire ça pour qu'ils aient le pouvoir. Et je dis à ces populations haïtiennes dans bonne raison. Maintenant, les populations qui payent taxes, qui gagnent toute exigence, ils répondent à qui et que l'État lui-même qui doit la sécurité, pas la sécurité. Et ils regardent ouais, rapport qui développé entre l'État et des membres dans le secteur privé malsain. Hein?
avec des franges de la communauté internationale là qui participent dans Bali ça. Donc lui-même ni comprendre je vais là, lui aller chercher abri pour lui capable protéger tête. Et dans chercher abri là, yo vinn comprendre que meilleur côté pour capable abriter yo, c'est devant ambassade américaine. Mais moun yo pas allé pour y aller faire manifestation, pour y aller faire mouvement. Mais moun yo t'est allé devant pour être capable abriter yo, pour être capable protéger tête. Yo ak famille yo pour pas mourir en bas coup de balle vagabond. Parce que yo rendu compte depuis balle la tiré dans zone ça, pas jamais gagne même un balle perdu qui frappé ou qui tombé dans la ambassade américaine. Monsieur dame yo pas jamais tiré sous ambassade américaine qui dans zone là. Mais yo même yo t'est capable aller dans de commissariat de police, dans des institutions policières qui dans zone là. Nous c'est devant bas, c'est bon ambassade là y a réfugié. Donc maintenant c'était à gouvernement, à l'état, si c'était des monde qui était responsable pour que yo même yo t'est prendre responsabilité pour te bailler mon sécurité. Donc ouais, la police nationale de façon maladroite, de façon inhumaine, yo traqué, humilié, chassé citoyens devant ambassade américaine. Donc mais parce que Zach ça son Zach qui mandé pour que population, organisation droits humains, des groupes politiques pour nous mettre ensemble dans le meilleur des délais pour nous porter plainte pour directeur général de la police là et de haut gradé dans la police là pour Zach que vous faites sous population haïtienne. Et c'est dans ce sens ça nous te profiter pour nous encourager agents policiers pour pas obéir, pour pas respecter et pour démarquer de et tout ordre qui manifestement illégal qui capable de mettre en situation demain, yo répondre question devant la justice. Voilà en gros l'idée de notre note nous sorti là qui vient faire que nous mandé population haïtienne là rester mobilisé, rester capable dire en commun pour nous comment nous pour mettre gonfler veine nous gonfler force nous ensemble pour nous faire échec avec plan macabre ça qui visait détruire la vie nous tout ensemble. Mouvement point final aller dans même sens là tout yo dénoncer comportement policier yo mené devant ambassade américaine tout qui pas de porter citoyen ça au secours ça passé à ces crimes contre l'humanité d'après Ulysse Jean Chenet qui fait qu'on est tout réfugié gain droit à joindre protection malgré ses réfugiés internes. Mouvement point final mandé population organisation internationale doit moun yo dénoncer comportement gouvernement haïtien ambassade là avec la police. En côté Ulysse Jean Chenet. Nous dénoncer comportement gouvernement haïtien, nous dénoncer comportement de l'ambassade américaine, nous dénoncer brutalité policière contre les réfugiés internes et du village du Morné devant l'ambassade américaine en Haïti et que nous dit comportement sérieux l'y rentrer en ligne droite à ce qu'on appelle les violations terribles des droits humains. Et ce sont des crimes contre l'humanité. Quel que soit côté réfugié, l'y retrouver, l'y supposer jouer une protection, l'y supposer jouer une sécurité, l'y supposer voler au secours réfugié. Voir, ce sont des réfugiés internes qui sont en fuite des gangs armés qui s'immènent terreur en d'un pays en depuis des temps. Et que malheureusement, les habitants du village du Morné qui se trouvent tout près de l'ambassade américaine, yo en danger avec les gangs crasés barrières de Vitelom, yo al réfugié yo devant l'ambassade américaine, au lieu que pour yo joindre protection, au lieu que pour yo joindre sécurité, au lieu que pour yo voler au secours yo, yo recevoir yo avec brutalité. Et que nous autres, au niveau du mouvement point final, nous dénoncer terriblement brutalité policière qui fait sur les personnes des réfugiés internes et surtout les habitants du village du Morné qui étaient retrouvés devant l'ambassade américaine là et que policiers yo brutalisé yo torturé yo et battu et que ça nous-mêmes nous dit li inconcevable li inadmissible ça rentrer en ligne droite dans cadre violation flagrante droit monde et même considérer comme crime contre l'humanité. Parce que quel que soit et cas qui présenté à travers le monde, dans toute l'histoire de l'humanité, gangs armés pas jamais gain le dessus sur la population saine, sur la population civile. Population en cap courir,
contre violence gang armée cap fait viol sou yo cap fait kadejak sou yo cap tuer yo cap torturer yo cap brutaliser yo y a le réfugié yo devant ambassade américaine là au lieu que pou yo ta joine secours au lieu pou yo ta joine protection au lieu que pou ta joine sécurité c'est brutaliser yo brutaliser yo qui n'a pas tourné avec un dossier grève là amis internautes gagné l'ordre défenseur droit monde qui ont même réagi qui fait qu'on est yo appuyé 3 journées grève syndicat transport yo lancé pour 31 juillet qu'a venir là pour 22 août l'ordre rappeler mauvais la vie population a connait depuis quelque temps à cause prix gaz là pouvoir te déjà monté plus passé 100% qui donc c'est une obligation pour gouvernement baisser prix gaz là responsable ordre de la Gilbert Dabinski reconnaît grève ça capable gain impact sous examen mais il fait appel à compréhension bagayo qui de comprendre population a touffé en bas inflation d'ici à trop tard ça en côté Gilbert Dabinski nous porter tout soutien nous avec grève qui annoncé par syndicalistes qui prévoit fait pour 31 juillet 1er à 2 août 2023 donc cette grève qui est une initiative courageuse visant à faire pression sur le gouvernement pour qu'il prenne des mesures immédiates pour réduire le prix du carburant et alléger le fardeau financier qui pèse sur la population haïtienne donc de ce fait nous constatons que pays li nan yon crise alimentaire aiguë qui gen des conséquences dévastatrices sur population hein, et qui attaque famille de jour en jour côté que yo gen difficulté pour que yo nourrisse ti moun que yo gen prix exorbitant et ben gaz là au niveau pompe yo li gen un impact direct sur coût la vie hein, et li rend ça que nous relé provision alimentaire ou du moins que denrées alimentaires inaccessibles pour le peuple. Donc de ce fait, nous croyons que le gouvernement est supposé prendre des mesures pour que des mesures immédiates pour que les résoudre situation ça. Nous comprenons que grève ça qui capable entraîner des perturbations et notamment pour les examens officiels du baccalauréat prévus pendant ces 3 jours. Cependant, nous croyons que démarche ça li essentielle et pour li supposé faite pour que nous capable défendre intérêt de tous les haïtiens parce que en particulier c'est monde qui a souffert crise alimentaire qui n'a crise alimentaire aiguë ça c'est ensemble de population c'est élèves qui n'a grand goût et c'est eux qui principale victime de prix carburant qui route ça à côté que l'île descend à plus que 40% sur marché international là et bien autorité qui au niveau de l'état donc va faire rien pour que yo alléger population hein. Donc nous, de ce fait nous encourageons les parents et les élèves à faire preuve de compréhension et de solidarité envers cette cause importante donc nous non seulement nous faisons appel avec tout haïtien donc nous demandons faut que rejoignent syndicalistes dans la bataille qu'il a fait parce que c'est une bataille pour soutenir la vie en Haïti et ensemble nous croyons que nous capables gagner un avenir qui est beaucoup plus meilleur donc nous croyons que c'est dans même optique ça que nous continuer ou du moins nous réitérer appel à l'action pour que grève monde qui dans secteur transport syndicaliste non seulement ils ont réussi pour que capable tant de voir l'autre dossier dans le journal la gain initiative combattant pour avancement progrès d'Haïti ICAP qui écrit accord unité d'Haïti pour demander le l'école dans accord 21 décembre nan. Coordonnateur ICAP là Jacques-Christel Décime critiqué premier ministre qui pas jamais appliqué accord ça qui te prévoit plusieurs points ta coup passer mais dans gouvernement combattre insécurité, former commission consultative pour passer main dans constitution, monter cahier et la trier. 7 mois après, Ariel Henry toujours a traîné alors que au conseil transition, qui est même position en gouvernement. Jacques-Christel Décime mandé à quoi unité d'Haïti retirer quoi yon à quoi si là, mobiliser société pour guion l'autre l'État. En côté Jacques-Christel Décime. Projet 21 décembre 2021, en dehors de faiblesse li, te prévoit 7 grandes activités pour retirer pays dans impasse difficile li trouver journée jodi a. Tant kou mette campé yon haut conseil de transition kap soti kap gen yon représentant de classe politique la, secteur privé des affaires et société civile la. Mette campé yon organe pour contrôler action gouvernement qui gen pou non jouet li OCAG
suivant l'esprit et la lettre de l'accord du 21 décembre 2022. 3. Faire un remaniement ministériel pour répondre à besoin urgent peuple haïtien. 4. Prendre disposition nécessaire pour combattre banditisme et kidnapping dans le pays. 5. Mettre en place un vaste programme d'apaisement social pour améliorer les conditions matérielles d'existence peuple haïtien. 6. Former une commission consultative avec des personnalités compétentes pour faire révision de la constitution du pays. 7. Former un conseil électoral provisoire inspiré confiance pour organiser bon gens élections dans le pays pour renouveler le personnel politique. C'est ça qui était dans le projet 21 décembre. Donc 7 mois après, qui côté nous aujourd'hui, il y a une bagaille qui est plus difficile qu'il n'y a pas digérer en dans parti politique ICAP. C'est que membres au conseil de transition, yo, à savoir Mme Mélanie Hippolyte Maniga, pasteur Calix Florido, M. Laurent Saint-Cyr, ils ont quitté le Premier ministre Ariel Henry, acheté conscience pour 125 000 goudes chaque mois. Donc là où une notion moralité a écarté totalement, motion sincérité a écarté totalement. Donc, mon série de monde qui finit travail, qui vaut en pile dans la société, hein, donc, t'as compté sur yo. Donc, yo trahi, yo violé confiance secteur qui vaut yo dans la société, hein. Donc, son bagage qui grave, c'est gravissime. L'on gagne de monde comme ça, qui t'a plus ou moins représenté comme un modèle dans la société, hein, mais comment yo y est. Donc, je dis, yo même avec premier ministre Ariel Henry, c'est dégoûté avec 50 cob. Donc, nous, dans la partie politique cap, nous t'es demandé de démissionner déjà. Maintenant, je dis, nous gagnons ça comme argument pour demander accord unité d'Haïti la Gepiel. Mouvement pré-final a posé condition pour élection générale organisée dans le pays en tant que départ. Ariel Henry qui pas qu'à mener pays dans l'élection. Un exécutif à deux têtes, mettez sécurité en dans le pays, réévaluer quatre démalogues là. C'est quelque part mes conditions d'après Ulysse Jean Chenet en côté. Il y a deux budgets qui passent dans la main. C'est presque dans l'opacité totale que l'a fonctionné. C'est dans la corruption. Parce que là, on prend premier budget qui était 210 milliards de goudes. Deuxième budget qui est 267 milliards de goudes. Pour l'abgérer tout comme l'État, ça ressent que le pajam baille rapport. Ou pas capable de penser, organiser élection à qui un premier ministre pareil. Et pas oublier tout. Et monsieur, c'est un inculpé, non. Premier ministre Ariel Henry, licité dans question assassinat président Jovenel Moïse, et que M. Toli profite de crise politique qui gagne en d'un pays, de insécurité qui gagne en d'un pays, pour l'y rester sous pouvoir le plus longtemps que possible. Eh bien, un monde comme ça, nous pas capable de penser organiser des élections générales et d'un pays avec Ariel Henry. Deuxième condition, hein, c'est mettre en place un gouvernement bicéphale dans un consensus largement large avec les forces vives de la nation haïtienne. Le pourquoi? Parce que Haïti est un pays de tradition présidentielle. Lorsque ou pas gagner un président, comment ou pral organiser élection? Comment on peut monter le conseil électoral provisoire? Comment on peut convoquer le peuple en ses comices? Je pense que pour arriver à organiser des élections générales en d'un pays, hein, il est troisième condition que nous relater, c'est une condition qui est plus qu'essentielle, c'est établir un climat de paix et de sécurité générale dans le pays favorable à l'organisation des élections générales en Haïti. Parce que dans un contexte d'insécurité générale, on ne peut pas parler d'organiser des élections. Mais c'est dans ce sens-là, nous dit que faut gagner un climat de paix et de sécurité en d'un pays qui est favorable à l'organisation générale des élections en Haïti. Quatrième condition, hein, c'est mettre en place un conseil électoral honnête et crédible avec des gens au-dessus de tout soupçon ou pas capable d'organiser élection avec un conseil électoral qui est composé avec des éléments douteux. Par exemple,
et 20 moun sa yo kap cité pour monter conseil électoral là en majeure partie ce ne sont pas des éléments crédibles, ce ne sont pas des éléments honnêtes et que nous-mêmes au niveau du mouvement Point Final nous mandé que conseil électoral qui pral gagner pour organiser les prochaines élections en Haïti li doué constituer des gens honnêtes, crédibles, compétents et qui ont une certaine expérience et de notoriété en dedans payant. Initiative combattant pour avancement progrès d'Haïti qui a toujours gagné un assistant technique pour PNH là, mais le critique le gouvernement qui a utilisé dossier ça pour traîner pied pour le café piston sous pouvoir. Responsable ICAP la Jacques Christel Dessy mandé population levé campé pour pouvoir ça qui pouvait être incapable en côté Jean Christel Dessy. Donc après 24 mois, il y a gagoté et l'argent dans caisse l'État. Combien temps donné Haïti c'est membre CARICOM? Haïti c'est membre OEA, nous fait partie de l'ONU, capable toujours gagner des négociations pour gagner une assistance technique pour renforcer force légale nous yo, à savoir police nationale là, en bouillon l'armée nous gagne là. Donc nous à chaque fois yo annoncé une intervention pour démantèlement gang yo, gouvernement créer conditions pour ça pas fait. Yo toujours gagné des millions à voyer bay groupe gang armé yo, mais yo pas jamais créer conditions pour bay police nationale là matériel équipement nécessaire qu'il y a besoin pour faire travailler comme ça doit. Je pense que demande premier ministre Henri à son chantage, c'est une façon pour faire temps passer pour traîner pied pour faire population haïtienne n'a pas poser question projet dictature la vie dans pays après 24 mois de transition, ça a pas dû continuer comme ça. Donc nous même au niveau parti politique ICAP, nous conscients j'ai une situation insécurité aïe, quantité foyer gang qui est dans pays a yo plus passé commissariat parce que chaque côté au passé gagne un foyer gang, gon groupe monde qui dit c'est contrôler territoire ça. Comme dans le gouvernement Ariel Henry, le ministre de justice même te déclaré nous avons ensemble territoire perdu, eh bien ça a été renforcé pouvoir gang yo pour marcher by tête plus territoire. Parce que c'est toujours un bagage nous capable arriver joindre ensemble, c'est dans tête ensemble nous arriver combattre insécurité, combattre kidnapping là. Nous besoin en force et en assistance technique pour la police avec l'armée, mais ça pas qu'à empêcher population qui dans la rue, population qui dans souffrance, qui pas qu'à traverser Matissan, troisième circonscription, pas qu'à traverser quoi des bouquets, qui pas capable traverser la Tibonite, qui pas capable aller dans nord-est, nord-ouest pour exiger départ premier ministre Ariel Henry puis simplement parce qu'elle pouvait incapacité pour le diriger pays, elle pouvait incapacité pour créer conditions nécessaires pour mettre sécurité, pour faire élection, pour renouveler personnel politique. Donc nous croyons et faut que population très intelligente par rapport avec annonce premier ministre Henry. Faut nous regarder dans premier discours qu'il t'a fait les tweets là, t'a demandé pour l'installer, il t'a dit que problème Matissan, il pourrait le résoudre dans moins que 3 mois. Donc après 24 mois, pas grand effet, ça veut dire premier ministre son menteur. Si premier ministre n'a pas menti pendant 24 mois, c'est pas jour diable t'a dit un bagage quel surtout les gagne communauté internationale là, les gagne corps groupe là qui remet les gagne dirigeants servile comme ça pour capable faire affaire dans pays là. Nous pensons que c'est moment qui arrive pour tout secteur qui remet Haïti, pour tout vrai patriote yo mettez tête ensemble pour prendre destin pays là, mais faut que pas croire sous chantage et premier ministre, au contraire et insécurité à bon pour lui. La nourrili, kidnapping là, bon pour lui, à chaque fois qu'il y a des décisions pour le prendre, ouais, c'est là où aller. C'est là où aller, pas qu'il y a une manifestation parce qu'il y a un kidnapping, il y a une sécurité. Et pouvoir pas dire rien. Eh bien, je vous dis, à ce moment-là, t'attends des premiers ministres, pas les questions et forces et militaires pour venir en Haïti, ou t'as pas parlé là au sérieux. Entrepreneurs et puis citoyens engagés, acheter la rac à critiquer autorité au nom d'État qui pas fait rien pour résoudre la crise qui gagne des pays, notamment sécurité, Monsieur Lara, quoi, institution policière, manquer moyen pour couper action bandit, yo, en côté déclaration. Il y a plusieurs questions qu'on est posées, il y a des coïncidences d'ailleurs qui marquent. Et chaque coup de bâton va recommencer avec violence. Nous devons attendre un épisode de réconciliation. Est-ce que sont coïncidences? Est-ce que sont faits avérés voulu? Mais toujours, il y a des grandes cérémonies et des grands travaux de réconciliation entre gangs, qui ont perspective de paix. Et puis, tout de suite après, il y a une résurgence de sécurité
c'est-à-dire ouais kidnapping ouais comme Tim Dadou et là c'est que faire son alliance pour frapper Bipo. Donc c'est ça que nous remarquons. Je suis ou pas capable d'empêcher un citoyen haïtien de penser à l'homme de tête que c'est deux trois monde ou un groupe monde ou bien un clan qui vont créer les mains et puis chaque coup passé créé à l'ibaye l'autre pour baye ça comment c'est fait puisque c'est bizarre que séquence très bizarre séquence de ressurgence kidnapping c'est des bagages très questionnables. La police qui est très peu de monde la donne. Alors, moi, m'a tenté de voir une explication avec les citoyens, même gens avec vous, même gens tout le monde. Mon petit gens très sidéré du fait que la police n'a pas capable de répondre à bagage ça. Mais la police, nous connaît que sous 13 000 ou 14 000 moun, la police est installée hier, nous connaît que c'est à peine 8 000 moun qui vivent pour tout le territoire. 8 000 agents fonctionnels qui vivent pour tout le territoire. Donc, ça veut dire que deux mondes énormes et protège de sécurité minutieux, pas désemplis. Parce que y a chaque amour qui fonctionne là dans le direct pour résoudre le problème qui n'a pas. Parce que pas aucun ministre qui prend un agent qui n'est pas bien formé dans le pays, il prend meilleur ou le métier pour côté pour faire la sécurité par lui. Donc, la sécurité pays, il n'y a pas d'intérêt. Donc, ça, c'est déjà une attitude qui n'est pas bon. Troisième bail là, nous ne pouvons jamais voir le gouvernement dit aucune phrase long kidnapping fait. Dit rien du tout. Donc ça veut dire que yo kidnappe un monde qui vient pas non moi pas que personne dans gouvernement couvert bouche ni qui rend femme yo visite ni qui fait quoi que ce soit. Ça veut dire que n'est pas intéressé. Donc finalement ça est-ce que le gouvernement en Haïti bah pas vraiment attention au gouvernement puisque moi-même moi ouais c'est vite l'homme qui a dirigé tout bord et tabac là moi c'est Iso qui a dirigé Matissan parce que je n'ai pas bloqué Matissan juste pour rien. Ça fait un an et demi Matissan bloqué, personne n'a jamais débloqué notre territoire conquis et pas qu'on j'aime aucune réponse de l'État ni aucune tentative pour l'État de résoudre le problème ça. Donc finalement nous connaissons que gouverneur Bloc Sud là c'est Iso, gouverneur zone nord là c'est éviter l'homme. Ils l'ont mort 100 jours avec Nexario. Donc, je ne sais pas si ça peut continuer à débattre avec discussion. Ce sont des choses ridicules. Coordonnateur comité représentatif négociation à quoi Montana dit pour tes solidarités à tout le monde qui est victime du phénomène de sécurité et puis condamné à toute force li silence autorité face à Bandi. D'après Eric Cantave, c'est la population qui peut prendre des stèles en main en coutel. On va permettre moi présenter sympathiquement solidarité avec tout le monde qui est victime de violence pendant le week-end, non? Avec famille et tout. Ça qui a passé là, il est arrivé n'importe qui, à n'importe quel moment, il va vivre dans un pays qui n'a pas gagné l'État. Donc nous disons, Kembe là, nous pas croire que la fuite ou bien courir, c'est la plus bonne solution. Donc nous pensons que c'est organisé, pour tout le monde organisé pour être capable de faire ça aurait les légitimes défenses. Faut pas faire n'importe qui, hein. Faut capable sûr que c'est mon cap attaquer, et en même temps tout, faut capable faire en sorte que c'est pas ou même qui a le vite. Ça montrait que mon cap fait action, ça eux déterminé, et yo connaît qui bon voulait arriver. Moi-même, moi pas voulait directement adresser Mario, parce que m'pas connu qui est sur eux, et surtout m'pas connu qui est qui derrière eux. Moi, supposé que yo pas pour quoi eux, même pas connaît exactement qui mon, parce que gain sponsor en bagage ça. Donc, nous pensons que son sujet qui très délicat. Si vous arrivez là, je suis bien content. Même pas quoi que je vais parler à aucun bandit pour demander s'il vous plaît pour la gagne telle. C'est l'État qui n'a pas gagné, c'est la gouvernance pour changer, pour nous capables de changer ça en gros, pour nous capables de faire que le phénomène ça suspende. Nous, ça tout, c'est un réflexe que vous avez, parce que vous connaissez que l'ambassade là, en général, bien protégée. Donc, vous pensez que là, il y a une petite protection tout. Donc, vous pas courir à aller dans la police nationale, ni devant primature. Donc, vous connaissez que là, vous pas besoin de protection que vous risquez capable de joindre devant l'ambassade américaine. C'est ça, je pense que vous gagnez la plupart de vous. Mais il faut nous faire très attention tout, capable de gagner l'autre motivation, pas derrière tout ça, que nous-mêmes, nous pas qu'on est, parce que je ne pas voulu spéculer trop, parce que dans l'autre motivation, c'est capable des images qu'ils ont besoin de projeter pour justifier ou quelconque intervention dans le pays, intervention militaire, je l'ai dit, et que nous-mêmes nous posons nous contre intervention. Éric Cantave, quoi, doit gagner un changement dans le pouvoir politique là, il plaide en faveur d'un collège présidentiel, cap gen pou chita pale ka fait pour gen chita pale qui a fait pour arriver à atteindre objectif si là en côté une autre fois Éric Cantave. Nous chita ou bien de dialogue, mais qui ça que nous-mêmes la défendre. Bien sûr, nous en pleine négociation, nous pas cabaille tout détail, mais en gros, nous avons dit, mais ligne nous. Et nous pensons que c'est nécessaire dans le moment ça, côté que si mes confusions, pour nous capables renouveler position nous avec ligne que nous avons
dans négociation. Eh bien, il est très clair, c'est que nous-mêmes, nous pourrons changement en profondeur. Ça veut dire que nous pourrions transition coupée fâchée. Ça veut dire que nous pas pour transition cosmétique. Quand vous changez grain de monde, et puis pour penser que tout bas en forme, nous pourrons vraiment changement de système. L'autre bagage essentiel, tout que nous défendons, c'est que nous comptons toute occupation militaire pays. Nous avons déjà combien de fait dans le pays et qu'ils aient au bail. Résultat, le plus souvent négatif. Parce que si c'était pour nous te faire une révolution violente avec Zamla, mais nous avons bien placé tout ça nous fait déjà. Mais c'est avec rêve pour faire réalité. Donc, nous pensons que nous même là, nous décrier, nous montrer qui ça est capable de faire pendant 2 ans, nous montrer que nous limiter l'action et la réflexion, nous va porter un rien pour le pays. Donc, nous n'avons absolument aucun intérêt pour nous dire, pour nous dire, une collection avec eux. Et nous même, nous sommes héritiers, nous avons dit 10 ans pour voir PHTK qui écrase le pays, tant du point de vue financier que du point de vue politique. Et du point de vue économique, tout en dit comme ça. Il n'y a pas qu'à faire partie de problème là, et en même temps, il fait partie. Non, depuis nous, Joanny, ça veut dire que quelque part, tout est dit, institution, qui s'accréditait dans l'institution, yo, d'accord avec. Et à ce moment-là, il m'a dit la facile, non, mais la possible pour nous capables d'implémenter, ça veut dire mettre en œuvre. L'autre dossier dans le journal, les amis internautes, il y a plus de 63 000 Haïtiens qui déjà autorisés pour voyager dans le pays États-Unis. Sorti mois janvier, vieux mois juin 2023, dans le cadre d'un programme humanitaire, administration Biden, non, pas mieux, non, c'est 54 000 qui déjà rentré dans le pays, hein, selon DHS. Annoncé par l'administration Biden le 5 janvier 2023, presque 160 000 citoyens qui sorti Venezuela, Nicaragua, Haïti, à Cuba, voyager dans le pays États-Unis, dans le cadre d'un programme parole là, pendant 6 premiers mois, yo, parmi pays yo, Haïti placé dans première position avec plus passé 63 000 Haïtiens qui déjà examiné puis approuvé depuis date annonce programme jusqu'à mois juin 2023. 50 là d'ailleurs déjà entré dans pays États-Unis. Ensuite, gen Venezuela avec plus passé 58 000 qui approuvé, gen 48 000 qui déjà voyagé dans pays États-Unis. Cuba avec plus passé 38 000 citoyens approuvés. Plus passé 35 000 voyagers à Nicaragua qui gagne plus passé 29 500 citoyens qui autorisés, presque 21 500 déjà entrés dans le pays États-Unis. À travers un tweet en mois juin 2023, ambassade pays États-Unis a encouragé citoyens pour ne pas risquer vie yo prend voie pour entrer États-Unis Amérique parce que y a déporté yo et y a tout pas éligible pour rentrer dans le processus Biden. Dans mois mai dernier, USCIS a modifié façon y a traité dossier yo. Yo sélectionné moitié de mandats examiné chaque mois à travers un système loterie dans mois mai dernier suite avec aéré massif et puis rapide demande qui parcourt résoudre l'autre moitié a continué à attribuer selon principe premier arrivé premier servi. Merci Sévère. Moi je merci parce qu'on t'a suivi avec attention. Merci pour fidélité ou ak patience ou. Moi pralé m'a quitté ou nan bra papa bonje parce que c'est lui même celle qui capable protéger ou. Ba ou la vie ak la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas M. Foucault. Rendez-vous cassé pita comme ça pour une autre vidéo. Bisous, one love. Bon vendredi et bon week-end.